On vient d'emménager quand même, hein. Qu'est-ce que tu fais à regarder les étoiles? Ne m'inquiète pas, hein. Tu vas te calmer, hein. Tu vas être dans ta poussette qu'on vient d'acheter. Oh putain, oh ce sale gamin, il commence dès le début comme ça. Vote dedans et tu bouges plus. Oh putain, la poussette que je viens d'acheter. Et tu sais... Oh. Tu sais combien elle m'a valu cette poussette, Kevin, hein? Au moins 6 bras. Laisse... Oh putain, une tape. Oh putain. Oh non, là. Je ne sais. On va te calmer avant de te mettre dans la poussette. Oh mais non. C'est parce qu'il y a passé en petit doudou. Mais oh là là, que je suis bête. Tiens, Kevin, ton petit doudou. Maintenant, fais dodo. Oh mais c'était si simple. Mais moi, comme une mère inconsciente de son enfant, j'utilise une poêle alors qu'il fallait lui donner son tout petit nounours. Oh, il fait dodo. Regardez ça. Kevin, il dort. Même plus besoin de le bercer maintenant. Qui vous dira, Monkey? Coucou les petits bébés. Allez, fais des dodo, Kevin. Regarde, Kevin, maman fait du skateboard. Regarde, je sais même faire... Oh putain! Oh, j'ai failli me casser la gueule. Bon! Ah, c'est le moniteur, il fait du bruit un petit peu cassé. Bon, Kevin, hein, tu fais un petit peu de la place parce que maman ne compte pas tout porter non plus, hein, faut pas abuser. Hein, parce que la route jusque là-bas, c'est quand même très très long, hein, moi je trouve. Et on va mettre ça à côté de Kevin, voilà. Essaye de pas trop bouger, Kevin, hein, faut pas que tu prennes la place, hein, faut que j'arrive à entasser les choses quand même. On va prendre un carton ou deux quand même, on sait jamais. Oula, attention. Hop là. Oh, ça bouge pas. Oh, je suis. Oh, ça... Mais moi, c'est la perfection, hein. Toujours la perfection. La 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 la. Kevin, t'as bouillé. Je t'ai vu. C'est de ta faute. Hein. Je vais devoir tout reprendre après. Hein. Non, mais monsieur, il se croit intéressant, hein, Kevin. 8 ans d'âge mental. Hein. Vraiment débile, cet enfant. Viens ici, la balle. Viens ici. Elle va vraiment très vite, cette balle. Kevin, arrête de bouger. Tu fais tout tomber. Elle se fout vraiment de ma gueule, cette patte. Oh putain. Oh, je tape une accélération avec le caddie. Enfin, c'est pas un caddie, c'est ta poussette. Hein. Je l'ai pas volé du tout. Je... Oh mon Dieu. Oh, Kevin. Oh. Regarde, Kevin, droit là-bas, tout devant. Oh mon Dieu. Je crois que Bruno me trompe avec une femme. Oh. Oh mon Dieu. Inspire, expire. Kevin, viens, on va aller parler à ton papa de cette petite femme là-bas qui nous regarde à travers la fenêtre. Non, mais ça va pas, vous, madame. Oh, mon Dieu. Kevin, regarde là-bas. Une madame très bizarre qui vient de se disparaître comme ça, comme de par magie. Je trouve pas ça normal. J'ai bavé un petit peu. Kevin, viens ici. Ok, va dire bonjour à ton papa en premier. Hein. Moi, j'ai pas envie de lui parler. Non. S'il me trompe, il va voir de quel bois je me chauffe. Ça, c'est un méchant Bruno qui va se faire défoncer sa gueule. Non, mais attends, une blondasse comme ça à la maison, je l'ai vue, elle était là, elle m'avait dit coucou avec sa grosse poitrine. Non, mais elle est malade ou quoi? Oh mon Dieu, il faut pas que je fasse des bêtises devant Kevin. Kevin. Non. Chut, ne me parle pas. Non. Pas besoin de t'expliquer. Non, il n'y a pas de fantôme dans la maison. J'ai très bien vu ta blondasse en haut. Hein. Tu vas me présenter à elle et tu vas me dire c'est qui, attention. Hein. Parce que là, je vais commencer à m'énerver. Hein. Kevin, non. Chut, Kevin, on n'a pas besoin de toi. Tu sais ce que tu vas faire, Kevin. Chut. Je vais te ramener ton doudou, t'en fais pas. Tu vas rester ici, comme un sage. Là, où elle a disparu à travers la table. Appelle mamie Jacqueline en attendant. Allô? Allô? Mamie Jacqueline est au téléphone. Reste avec elle. Occupe-toi d'elle, d'accord? T'as vraiment un coup bizarre, Kevin. Hein. Va falloir qu'on remédie à ça plus tard. Hein. Bon, Bruno! Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Il y a des ragnagnas explosifs. Oh. Mais oui, c'est frais en plus. Non, mais il a pas honte. Et en plus, tu fais pendant que madame a ses règles. Tu veux une punition, peut-être, Bruno, hein. Tu te pousses malin. Tu sais quoi? Nous deux, c'est terminé. It's over. Déjà de une, parce que t'as un très gros détail au bout de ton nez. Regarde-moi ce pif. Hein, franchement, qui voudrait avoir ce pif comme Marie? Eh ben, en tout cas, pas moi, Bruno. Et ces petits yeux-là. Ce petit yeux larmoyant, là. Comme ça, non? Non, mais tu fais le malin, hein. Et ses pieds? Hein, c'est quoi ses pieds? 1, 2, 3, 4, 5. Tu penses que c'est normal d'avoir des mains à la place des pieds? Hein, Bruno? Non, hein. Tiens!
Oh putain, j'avais oublié que t'avais une bite qui était très résistante. Laisse-en, Bruno. Hein? Fais pas le malin. Oh putain, non. Non, tu frappes ta femme. Tiens. Aïe. Non. Tiens. Aïe. Arrête de me taper. Non. 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 Ah. Oh mon dieu, violence conjugale. J'en ai marre de me faire taper. Oh, une clip. Oh, une clip. C'est dégueulasse, hein. Faut que je réessaye. Et non, non, ça me va pas du tout. Peut-être que je pourrais les brûler les gens comme ça. Oh, c'est de l'ancien, c'est pour éloigner les esprits. Non, parce que, hein, à vrai dire, ça, on en a pas besoin. À vrai dire, je viens d'y penser dans ma tête pendant que j'étais assommé là tout d'un coup. J'étais envoyé ça avec des petits poneys. Et les petits poneys, ils m'ont dit, mais faut arrêter de te faire taper comme ça en un moment de Kevin. J'ai dit, ouais, mais t'as raison, du coup, on va les défoncer la gueule à Bruno. Et en plus de ça, on va lui voler Kevin, parce que c'est lui qui a la garde, hein, mais ça, faut pas le dire. Du coup, je prépare le kidnapping de Kevin, qui est de fait de sa maman par son papa. Qui fera lui-même défoncer sa gueule. Peut-être voir. Attention, non, non. Vous allez voir, je suis un fou. Bruno! Oh putain! Oh putain! Regardez-moi cette énergumène! Avec sa longue queue! Même moi, j'en ai pas une aussi! Excusez-moi. Bon, tiens. Gili, 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 gili. Gili, 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 gili. Doigt dans le cul! Retournement de situation! Viens ici! Putain! Non, mais cette fois-ci, je vais pas me laisser faire! Oh putain! Stop! Je suis armé! Bruno, ne m'oblige pas à faire ça! Dans ta bite! Oh putain, esquive! Dans tes cheveux! Dans ton nez! Et voilà, hein, c'est comme ça qu'on meurt, hein, tout d'un coup. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire ça comme si c'était un meurtre. Oh merde! Oh, je suis désolé pour ta tête. Hein. J'espère que t'as pas trop mal. Hein, tout va bien, Bruno? Réponds-moi. Non, ça va, apparemment. Are they coming back to this place? Hein? Oh, mon Dieu. Are they coming back to this place? Non, mais attends. Hein? Moi, je pense une chose, là. Parce que je viens peut-être... Voilà. Chut. T'étais juste en train de faire un petit dodo. C'est encore tout frais, hein, c'est tout frais. Il est mort il n'y a pas très longtemps. Ça, c'est pas normal. Alors là, oh, tu veux voir de quel bois je me sors? Parce que je suis intelligente, hein, pour maquiller des meurtres. On va faire ça comme ça. On va faire passer ça pour un suicide. Attends, laisse-moi 2 minutes. Ne bouge pas, Kevin. Fais voir ta main, mets-la sur la détente. On met ses empreintes. Voilà, c'est très bien. C'est très... Attends. On va plus mettre ça là, voilà. Ici, comme ça. Fais voir tes empreintes. Fais voir tes empreintes, Kevin. Ne bouge pas. C'est pour la sécurité de tous et de maman. Comme ça, la police, elle va dire que c'est toi. Voilà, on met les empreintes à Kevin sur le pistolet. Et toi, Kevin, maintenant, tu vas venir avec moi. Et Bruno, hein, tu te calmes, hein, tu réfléchis à ce que t'as fait. Allez, viens, Kevin. On s'en va de cette maison. C'est pas normal. Moi, il me semble qu'il y a des trucs qui sont assez étranges, quand même. Regarde. Oh, oh, je suis désolé. Oh, ça va la tête. Ah bah non, bah là il fait dodo, hein, Kevin. Là il est complètement capote. Ah merde, deux fois, je suis désolé, Kevin. Il s'en prend plein la gueule, le petit. Hein. Il n'a rien demandé. Hein. Viens, on va aller chercher des miam miam miams. Je sais que t'aimes bien les miam miams. C'est ton âge en plus, hein, les miam miams. Tiens, voilà. Hein. Maintenant tu peux pleurer. Hein, t'as la porte qui est bloquée entre les portes. Qu'est-ce que tu fais, Kevin? Viens ici, enfant du diable. Rends ta main. Oh putain, il fait son malin, regardez-moi ça. Il me fait une grimace derrière la glace. Moi, je vais t'acheter des bonbons parce que... Oh putain, oh, je fais victimiser par la porte. Oh, oh, la porte ne le respecte pas. Viens ici, Kevin. Attention, la porte. Monsieur, gardez-moi ça 5 minutes, s'il vous plaît. Je vais lui acheter des bonbons. Oh, oui. Vite, dépêche-toi, plus vite. C'est vraiment très long, hein. Oh putain, il fait une nasse à l'unazi, le bâtard. T'en veux, Kevin? T'en veux? T'en veux? T'en veux? Eh ben non, connard, c'est pour moi. Est-ce que t'avais qu'il y avait un ascenseur secret? Hein? T'es là-bas, dans ce truc. C'est vraiment bizarre, je pense que Bruno, eh ben, il nous cache quelque chose avec ses fantômes. Hein. On va enquêter sur ça tout de suite. Viens ici, Kevin. Tu vas venir avec moi enquêter. Hein. Regarde là-bas. Une nouvelle salle. C'est une antenne radio.
Tu penses que c'est ton papa qui l'a construite, Kevin? Tu pourrais me répondre, hein, au lieu de faire semblant de dormir comme ça. Hein. C'est pas croyable. Viens ici, sale enfant! Oh mon Dieu, un vieux, avec un pentagramme, dessiné. Est-ce que ça sert à mettre Kevin à l'intérieur? Tiens, démange de le sacrifier! Ça, c'est un Kevin pas gentil, c'est un enfant du diable, hein. Tout le monde peut vous le dire. Hein. Qu'est-ce qu'on a par ici? AIP, Lead seem to be very effective, the familiar location, drug une potion. Oh mon Dieu, Kevin, je pense qu'on nous cache des choses bizarres. White dust is main. AIP is the code. AIP. AIP is the code. Bon, écoute-moi bien, Kevin. Avec ce qu'on vient de voir, il va falloir qu'on résolve les affaires des trucs paranormales. Le paranormal, c'est quelque chose de pas très normal. Eh, tu m'écoutes, sale gamin? Donc, ce que je vais faire, c'est que ce monsieur là-bas, moi, je pense pas qu'il travaille vraiment dans le centre commercial. Je pense que c'est un monsieur qui travaille avec Bruno et qui essaie de cacher des choses secrètes, tu comprends? Mouah. Maintenant, tu vas faire diversion pendant que je l'assomme. Je me balade. Hop! Oh non, je fais tomber mon bébé! Oh, quel dommage! Regardez, il fait la posture de la sirène! Vous pouvez l'aider, s'il vous plaît, monsieur? Monsieur, regardez, il fait la posture de la sirène! Attends, Kevin. Non, 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 non! Oh, regardez! Maintenant, c'est la posture de la loutre! Aidez, Kevin, s'il vous plaît, comme ça, monsieur l'agent. Et voilà, hein, c'est comme ça qu'on fait! Vilain monsieur, pas beau! Oh, Kevin, c'est un génie, hein. Lui, il fait des trucs que personne ne sait faire. Du gobelet d'équilibrage. Viens ici, Kevin. Hein. C'est pas normal, toute cette situation. C'est moi qui te le dis. On va prendre cet ascenseur. Et tu vas voir, hein, à quel point je me sauve. Hein. Reste assis. Tu restes sage. On attend impatiemment la durée. C'est une nouvelle technique ancestrale que j'ai appris avec mes doigts. Hein. T'es un vilain garçon. On sait pas ce qui nous attend en bas, Kevin. Oh putain, ça devient rouge. Oh, c'est une secte d'endroits sexuels. Faut savoir un chose, Kevin. Quand maman, elle te dit que les filles sont des femmes très coquines, c'est que d'habitude, quand tu rentres dans une chambre et que la fille possède des LED et qu'elle met les LED rouges, oh, je te jure, Kevin, ça va chauffer. Hein. Mais ça, tu es où? Ah, tu comprendras quand tu seras plus grand, Kevin. Oh mon Dieu, des yeux rouges. Vas-y en premier, Kevin. Tape la dispersion. Ce gamin. Mais ce gamin. Mais il fait vraiment pas attention à ce qu'il fait. Bon, Kevin, hein, t'arrêtes maintenant. Viens ici. Hein, fais voir que je t'ausculte. Ouais, tout va bien, Kevin. Hein, tu peux repartir dans le droit chemin. Fais voir tes yeux. Hein, tu fais exprès. Descends, Kevin. Kevin, il fait exprès d'être malade. Hein. Bon, qu'est-ce que c'est que cet endroit? J'ai l'impression que Bruno ne savait pas mentir, Kevin. Hein, regarde s'il y a quelque chose. Regarde pour moi. Est-ce qu'il y a quelque chose? Tu vois rien? D'accord, très bien. Moi, je crois pas vraiment aux esprits. Hein. J'ai l'impression que ce sont des LED. Ils sont vraiment très bizarres. Oh, regarde, Kevin. Lis-moi ça. Need signal. C'est... Oh, putain! Oh, je suis désolé, Kevin. Oh, mon Dieu. Qu'est-ce que cette créature venue des enfers? Excusez-moi, monsieur. Tout va bien? Vous avez une tête en forme de fleur, monsieur? Oh putain! Oh! Non mais on fait pas chier la maman à Kevin, hein, monsieur bizarre là. Regarde-moi ça, Kevin, hein. Le monsieur il faisait semblant d'être chauve comme ça. Regardez ça! Oh, il se bouche là! Oh! Oh, j'ai compris. En fait, c'est Bruno, il voulait tuer Kevin. Regardez. Regardez pourquoi je vous dis ça. Si on prend Kevin bizarrement par ses pieds, et qu'on met tout simplement, regardez bien, la tête de bébé dans la bouche de ce monsieur, et ben ça fait parfaitement sa tête. Oh, j'y crois pas. Bruno, il voulait tuer Kiki. Je pense qu'on a besoin de ça. On va le garder sur nous. On va le garder, Kevin. Mais arrête de faire l'innocent comme ça, Kevin. Rends-moi la main, on y va. Qu'est-ce qui se passe par là? Oh, regarde, Kevin, un gros bouton. Appuie avec ta grosse tête sur le gros bouton. Qu'est-ce que c'est que ça? T'es pas normal. Ah! Oh non! Oh mon Dieu, Kevin! Viens ici! Oh non!
Comment on fait? Comment on fait? Mais c'est en train de se... Kevin, t'as fait n'importe... C'est lui! Ah, c'est lui qu'il faut tuer en premier. C'est lui qui appuie sur le gros bouton tout rouge. Je veux vivre. La maman de Kevin veut vivre. Tout le monde préfère la maman de Kevin à Kevin. Hein. C'est moi qui vous le dis. Ah non, j'ai plus rien. Est-ce que je... Oh, oh, c'est bon, j'ai trouvé. J'ai trouvé. J'ai trouvé. Coucou. Je... Comment dire... Ah non, c'est vrai. Mon Dieu. Attendez, attendez, c'est quand même bizarre. Monsieur, qu'est-ce que vous faites là? Monsieur, ça va? C'est vraiment pas normal. Moi, je pense que Bruno, il fait partie d'une... Oh non, mon fils, c'est vrai! Il fait partie d'une secte. J'avais oublié! Oh putain, le bébé ou la caisse... Oh non, le choix est tellement difficile entre Kevin ou bien la radio que j'ai besoin. La radio! La radio! La radio! Désolé, Kevin, hein, tu te débrouilleras sans moi désormais. Oh, j'ai sauvé la radio, c'était beaucoup plus quand même, beaucoup plus important que la simple vie de Kevin. On n'est pas d'accord, monsieur? Ne répondez pas, surtout, hein. Ne vous pressez pas. Est-ce que vous êtes en train de respirer? Vous me dites quelque chose? Je vous écoute. Non? Vous avez vraiment une haleine de chacun, hein. Va falloir vous brosser les très petites dents que vous avez ici, hein. Bon, je vous laisse. J'ai l'impression que vous êtes très bien par là. Moi, je dois retrouver Kevin, hein. Regardez-moi ça, là. Il fait du Harlem Shake, Kevin. Et je pense intéressant. Attends que je redescende, tu vas voir ta gueule. Ne bouge pas. Oh, on vit en même temps que moi les premiers pas de Kevin. Oh, il s'est cassé la gueule. Oh, putain, Kevin, il marche. Oh, c'est tout nouveau pour moi. Oh, je suis ému. Regardez. Bon, il est encore un petit peu con, mais ça va bien se passer, Kevin. Oh, il a l'air si grand. Il grandit si vite. Bon, il est complètement débile, par contre. Hein. Bon, on va essayer de monter tout en haut pour avoir du signal. C'est pas une mauvaise chose à faire. Hein. Oh, putain, ça fait bien longtemps que j'ai pas fait ça, moi. Hein. Non. On essaye de monter en toute délicatesse. Bientôt arrivé en haut. J'espère vraiment que ça va nous apporter des indications sur Bruno. Parce qu'il est vraiment très très bizarre ces derniers temps. J'essaie. C'est bon. Oui. Mimicry. Oh mon Dieu, je le savais. Kevin! Kevin! Rattrape la radio! Tu fais strictement aucun effort! Très très bien. Qu'est-ce que c'est que ça? Un code? Oh, AIB. A, c'est la lettre 1. I. A, B, C, D, E, F, G, H, I. Oh, 9. Et P, I, J, K, L, M, N, P. Oh, 16. Oh mon Dieu, une porte s'est ouverte. Kevin! Kevin! Oh, il est séparé où encore cet enfant? Bruno avait une sorte de bas de cave. Vas-y en premier! Il s'est vraiment pas retombé comme laissé sur ses pattes, hein, celui-là. Ah, j'arrive! T'as vu ça, Kevin? Oh, mon Dieu! Oh non! Regarde, Kevin! Ton père avait une sorte de bataille secrète! Bruno est vraiment très étrange! Et pourquoi en plus de ça, il y a plusieurs magasins? J'ai l'impression qu'on est arrivé à celui-ci et qu'il y a encore des énigmes dans les deux autres. Bon, il y a ton parrain qui nous attend, hein. Et ton parrain, ça, il est un petit peu énervé parce qu'il y a beaucoup de tension ces derniers temps. Il sait plus quoi faire, hein. Je te préviens, hein. Il n'y a pas que ça à faire de s'occuper d'un enfant. Ah bah regarde, il est là, ton parrain. Oh, il est très joli, votre van. Ah bah, regarde, il est là, ton parrain. Dis bonjour à ton parrain. Ah oui, d'avoir Zatroviette. Bon, écoute, putain. Regarde, il y a ton neveu, là. Il fait n'importe quoi. Tu pourrais essayer de lui donner des corrections, s'il te plaît. Regarde comment il me regarde. Regarde pas sa maman comme ça. Sous-merde. Fais quelque chose, quand même. Hein. Non, mais c'est pas parce que t'as trop de pression ces derniers temps qu'il faut rien faire, hein. C'est ton neveu. Tu veux répondre quand je te parle? Bon, vas-y, viens ici, hein. Maintenant, ce que tu vas faire, c'est que tu vas conduire. Donne-moi ta main. Toi, tu prends la relève, parce que moi, je suis très, très fatigué, quand même, hein. Maintenant, hein, tu fais passer. Viens ici, tu rentres dans le camion. Rentre dans le camion. Mais c'est pas vrai, mais vous êtes cocotte de famille, hein. C'est moi qui vous le dis, hein. Tu vas m'écouter quand je te parle. Ah, putain, tu m'écoutes quand je te parle. Maintenant, tu vas prendre le volant, hein.
putain, c'est pas possible. Arrête de me parler en russe! Viens ici, Kevin. Franchement, tu vas voir. Non, mais t'en fais pas, Kevin. D'un côté, tu me dis... Il se fout de ma gueule. Il s'est en allé comme si c'était une anguille. Tu vas voir, hein. Bon, Kevin, non, franchement, n'aie pas peur. Il y a des bonbons, il y a des V-Bucks à l'intérieur. Toi, t'aimes ça. Hein. Qu'est-ce que tu vas faire? Peut-être tu vas aller là-dedans. Et arrête de pleurer. C'est comme ça, ce sont les choses, hein. Bon, écoute, putain, tu t'occupes vraiment bien de ton gosse, hein. Enfin, c'est pas vraiment le tien, mais tu t'occupes de ton neveu. Sinon, ça va pas bien se passer. Tu m'écoutes quand je te parle? Est-ce que tu m'écoutes quand je te parle? C'est bien, hein. Franchement, tu sais quoi, hein, par rapport à Bruno, parce que oui, hein, si t'es le parrain à Kevin, t'es quand même le frère de Bruno, hein. On n'y est pas bête, hein. Tu vois la ressemblance quand même, rassure-moi, tu la vois quand même, putain. Allez, viens, va avec lui. Non, non, commence pas à t'énerver, hein. T'es même pas capable de trouver des solutions, alors tu vas pas com... Tiens, oh putain, papa cucu. Remets-toi là-dedans. Non, y'a... C'est tout. On arrête. Oui, oui. Allez, on démarre. Ça va bouger un petit peu, hein. Ne vous en faites pas. Ça ne bouge pas vraiment, hein. Ayez un petit peu d'imagination. On est là pour ça, quand même, hein. Faut pas tout vous donner, hein, dans la bouche, quand même, hein. Allez, on s'en va, nous. Bon, Kevin, j'espère que t'as bien écouté tout le plan, hein. Oh mon dieu! Oh putain! Qu'est-ce qui sort de ma chatte? Je sais que vous avez beaucoup de Roblox, vous. Allez, moi j'y vais! Kevin! Il va falloir que... Oh putain! Oh non, je suis peut-être dedans! Kevin, ça va? J'ai comme l'impression qu'il se passe quelque chose de bizarre. Oh mon dieu! Y'a des zombies derrière vous, les gars! Viens ici, j'ai pas peur de toi, zombie! Regarde, Kevin, il pète le feu! Ça fait longtemps qu'on s'était pas vu, comment ça va?